Welcome to the Jean-Baptiste Show. Toute la ville est sur un seul et nous faisons toute vos vies sur ce seul même. Jed est le propriétaire du Jedediah's Bar, le bar le plus fréquenté de Pony. Et peut-être le seul. Espérons que mon pote soit sobre. What? Quoi ça me servait de pirater ça? D'accord. Ok, donc le mec se planque dans le bar le plus fréquenté. Bonne idée. Alors, il y a une visite. Let's go. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il fait? Alors. Ah merde, c'est fermé. Je fasse le tour. Ah. Atteindre. Je pense qu'on va passer par la porte d'entrée. On va pas lui faire genre. Coucou à travers la fenêtre. Salut. J'espérais que vous pourriez m'aider. Je cherche Raymond Kenny. Jamais entendu parler. Espoir, c'est pour les cons. Oh, je suis sûr que c'est Raymond Kenny. Tu fais quoi? Hey, s'il te plaît. $100, cash. En prévision des dégâts. Ouais. Ben, j'ai rarement du cash sur moi. Alors je le mets sur ta note. Bon. Qu'est-ce que tu sais sur Raymond Kenny? T'as pas vraiment le sens du contact, hein, mon pote? Je veux pas d'emmerde, Tibone. T'occupe pas de lui. C'est un vieux grincheux. Il aime pas les artistes. Artiste mon cul. Alcoolo dépressif, ouais. Bois. T'occupe pas du barman, si tu creuses un peu, il est sympa. Seulement, faut creuser profond. Haha, énorme. Oh oh. What, what? Ok, c'est quoi ce délire là? Ça me plaît de pouvoir débarquer comme un caïd dans mon bar. Ouh, ça craint grave là. Il se passe quoi là? Oh, what the fuck, ok, je vais finir bourré. Allez, allez! Voilà! Tu vois? T'as trouvé ton rythme, en fait. Oh my god! C'est quoi? C'est pour résister à l'alcool ou? C'est quoi ce délire? Merde, c'est pas lui! Allez! Allez! Oh my god! Thank you.
Arrête de boire, bordel. Et toi, tu l'entends, ce bourdonnement? Oh my god. Ah. Oh. Ce bourdonnement, c'est vrai qu'on entend un truc en fond. Mais arrête. Allez, moi je continue de boire. Ouais, ouais, c'est nickel. C'est quoi ça? Merde. Moi, ce que j'aime, c'est les amputés, c'est classe. Je vais jamais y arriver là. Oh my god. Ouf. Cool. Mais stop! Oh my god! C'est quoi déjà, les mecs? Raymond Kenny. Oh my god! What the fuck? Va falloir rembourser, T-Bone! Ouais, ouais! Ouf! Là, on est mal. Hey, tu dois $100 au patron! Alors, si tu veux un conseil, je Oh my god! On va te bourrer. Oh yeah. Oh yeah. Salut Raymond. Oh the fuck. T'as un klaxon, t'es content? Moi aussi je veux un taser. Salut. Maintenant que les présentations sont faites. Écoute-moi bien, mon pote. Je te préviens. Ta présence ici me rend beaucoup trop visible. J'ai des informations. Bah voyons, c'est original. Le problème, c'est que... je peux pas les décrypter. Alors je suis remonté à la source. Putain! Alors grâce à toi, tout le monde sait que je suis là. On a fait super gaffe. On? Va falloir me convaincre, là. Parce que ça, ça nous empêche d'être copains. Oh merde. Quelqu'un a mis un contrat sur ma tête. Et ma nièce en est morte. Ce qu'il y a dans ces fichiers me mènera jusqu'au tueur. Je saurai qui c'est, d'une façon ou d'une autre. Mais ce sera bien plus rapide avec toi. Ok, on va faire semblant 2 secondes. Tu penses que je suis dans ce trou pour, le cadre? Depuis que ces enfoirés m'ont cramé, j'essaie de trouver une façon de revenir. Il me faut juste... quelqu'un pour... balancer un genre de spyware dans leur réseau. Si c'était aussi simple, tu l'aurais déjà fait depuis longtemps. Eh, même si c'était difficile, je l'aurais déjà fait depuis longtemps, ok? Je peux pas m'approcher du périmètre sans déclencher leur putain d'alarme. L'endroit connaît mon profil biométrique. Même mes plombages réveillent directement leur saloperie de sirène. Ça, je peux m'en charger. Mais après... tu viens avec moi à Chicago. Ah, oh, vraiment? Bon, allez, viens avec moi. Putain, Raymond Kenny. Ok. Sympa chez toi. T'as du goût en matière de... d'art. Ah, c'est un truc piégé. Et si t'es pas capable de le voir, c'est que t'es pas assez parano, mon pote. J'en ai installé un peu partout. Et... vu que tu m'as trouvé, je peux te dire qu'il y a de grandes chances pour que d'autres y arrivent aussi. Alors au boulot. Écoute, je suis assez short niveau temps. Alors le plus vite on aura terminé... Je crois pas que t'aies vraiment conscience du problème, mon pote. Le CTOS est conçu pour identifier et surtout retrouver les individus. Et je sais comment il pense, qu'est-ce que tu veux? Je suis son bon à rien de père. Il a toujours une photo de moi dans son portefeuille. Alors, à moins que t'arrives à effacer mes données biométriques du système, je
te servirai pas à grand-chose à Chicago. Et pour ce que t'appelles mon art, il faut bien que je me tienne prêt. Au cas où tes conneries me compliqueraient la vie. Hein? Tiens, je vais te montrer. Tu vas me montrer quoi? Prêt. Attention! Oh my god. Et boum, voilà. T'as senti la terre trembler? Hein? On peut dire que ça les coiffe, hein. Allez, essaie. Oh my god. Génial. C'est pas beau, ça. Et si tu te fais sauter le bras, je t'en sculpterai un tout neuf. Ta confiance fait plaisir à voir. Oh, désolé. J'étais censé te motiver. Genre, allez, on va gagner. Je crois que t'as pas vraiment compris comment ça marche, nous deux. Pour moi, c'est une opportunité. Tu peux m'aider, je peux t'aider. Non, c'est toi qui as pas compris. Dans ton bar, t'avais l'air d'un vieil alcoolo en train de ruminer le bon vieux temps. Je suis pas une opportunité. Je suis ta deuxième chance. Tu sais quoi? Je crois que je t'aime bien. Mais ça veut pas dire qu'on est potes. Le premier truc dont j'ai besoin, c'est d'un peu de matos de Bloom. Eh, ça fait un moment que je suis plus dans le milieu. Faut que je comprenne comment les scanners fonctionnent. Tu veux que j'aille cambrioler chez Bloom? Pas besoin. Quelqu'un s'en est déjà chargé, des ex-employés à eux. C'est un matos qui se vend bien au marché noir. J'ai fait des recherches sur ces types, et disons qu'ils sont assez fans du deuxième amendement. Prends un de mes fusils, t'en auras besoin. Tu peux passer à la station-service pour moi? Il y a les connards de la milice de Pawnee qui ont un truc à moi. Alors, si tu pouvais me rapporter mon camion... Énorme. Ok, mais je crois que j'ai déjà tout ça en fait. Merci quand même. Ok. Je suis en pleine cambrousse, dans un coin paumé, en train de faire ami-ami avec un cyberterroriste. Mais bon, j'ai besoin de bosser avec lui. Et pas seulement pour les données. Il pourra peut-être m'aider contre Damien si on en arrive là. Je respecterai ma partie du deal. Ok. Alors, comme ça, vous avez un camion. Un sacré paquet. Tu me facilites pas la tâche, T-Bone. Je dois voir ça de plus près. Salut Jean-Marc. Ça? Trop tard, t'as sorti ton flingue. Ou bien beaucoup trop tard. Ok. J'aime bien arriver à mettre des petites chiottes comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Allez. Globalement. Oh non. On peut appeler des renforts ou on a un mec en haut aussi, il va falloir faire gaffe. Ah. Il fallait pas mettre une casquette, monsieur. C'était pas le jour. Ouf, on a un sniper là-haut. Pourquoi il garde son camion? Qu'est-ce qu'il y a dedans? De si précieux. Ok. Okay, on a un mec à la sortie. On va se faire un petit scan, hein, mais... Ouf, j'ai de la chance de l'avoir à cette distance-là. Ok. Ouf, y a un mec là. Y en a un juste là. Dans la nuque. Ok, bon, lui, c'est pas peine que je le tue. Pierre, c'est là aussi. Faites quelque chose. J'ai rejoint ce qu'il me faut. Et je me casse. Eh, hey, t'aurais pas un camion encore plus lent? Ah, tu déconnes? Tu l'as vraiment récupéré? Hein? Ouais, mais ils sont après moi, du coup. Vous êtes tout seul? Mais... on fait quoi, maintenant? Quoi? Eh, comment ça, on fait quoi? Je pensais pas que... Écrasez-le, allez-y! Tu veux vraiment ton camion? Il va falloir le mériter. Ouais, ouais. Ok. Attire-les près d'une de mes sculptures. On va voir si ça les branche, l'arme moderne. Oh, putain, ça va être tendu, là. Pousse-toi, pousse-toi. Oh, ils sont tellement nombreux. Ah, putain, il aurait pu avoir un tout-terrain, ça aurait été plus pratique, hein. Allô? Elle est passée à côté de ma sculpture. Je viens de la brancher. Tu commences à me faire peur, Thibaut.
pas de soucis. Ouh putain. Wow. Il a sauté. Ah, je vais me faire plomber, Ouh, j'arrive pas à croire qu'ils vont pas tirer dessus. Attention, il y a un flingue. Oh. Oh merde. Il y en a un là-bas. Il y en a beaucoup là-bas. Ouh. Don't freaking move. Yeah. Pff, putain, son camion il a pris un coup, hein. Elle a pris un sacré coup. Bon, j'espère qu'on veut pas trop. Bon, on va dire qu'il me pardonnera, hein. Oh my god. Allô. What? What the fuck? Ouais. D'accord. C'est toi, pas vrai? C'est toi qui as tué toutes ces femmes. Oh my god! T'as dû bien te faire chier à me laisser tous ces indices un peu partout. Eh ben ça m'impressionne pas. T'es juste un putain de cinglé dans une ville qui en est pleine. T'as rien de spécial. Oh my god, c'est le mec qui a fait tous les meurtres! Tu viens de faire une belle erreur. Je peux te retrouver maintenant. Oh my god, on va le choper, putain. Oh, on va tellement le choper. Le bunker commence à faire du bruit. Quel genre de bruit? Sa mise en ligne. Il y a des gens qui l'ont remarqué. Des scriptidis surtout. Pas de quoi s'inquiéter, mais je vais m'assurer qu'il reste à distance. On a déjà été sondés deux ou trois fois. Sondés? What? Il y en a quand même un qui m'inquiète. Il s'appelle Default, et il a l'air de savoir ce qu'il fait. Je vais le surveiller. Dis-moi si jamais il pose problème. Ok, on va aller choper ce motherfucking noob. C'est bon, j'ai laissé le camion où tu m'as dit. Bordel, mais si tu vas marcher ce plan. Bon, maintenant il faut une autorisation de sécurité pour t'introduire dans le QG de Bloom. T'as déjà suivi un hélicoptère? Hé, hey, c'est une vraie question que je te pose là. J'ai déjà été pris en chasse par quelqu'un. Mais pourquoi tu me demandes ça? Un pressentiment. On se rappelle bientôt. What? D'accord. Ok, bon, c'est bon, personne ne va m'appeler. Je peux aller m'occuper de ce motherfucker. Ok. Bon, je vais devoir résister à l'envie de buter ce type jusqu'à ce que je m'assure de son identité. C'est quelqu'un de pas très instruit, peut-être un ouvrier. Et si mon intuition est bonne, il devrait souffrir d'une maladie du sang, comme ses victimes. Maladie du sang? D'accord. Ok. Oula. Ok. Celle qui la suit, là. Bon, faut dire je suis pas très discret, hein, mais bon. Merde, il est là. Ça pourrait être lui. Mais je dois en être sûr. Concentre-toi, tu vas la perdre. Ah. Hé, hey, j'aimerais te parler. Je t'ai dit que c'était fini. Là. Tu piges pas, je commence à peine là. Oh, laisse-moi tranquille. C'est pas tes oignons. I'm gonna hunt you down. What the fuck? Fils de pute, tu vas te. Comment nous pisse. Oh putain, il y a un gun. Viens là. Je vais te choper, mec, Putain, mais. Oh putain! Je vais te choper! Bouillard! Bâtard! Ok, Edgar. On va découvrir qui tu es. Si vous avez trouvé ça, je suis déjà mort. Vous voulez des réponses, mon papa? Il avait un monstre dedans. Et il est dans moi aussi. Il m'aimait faire des choses pas bien.
Il me force à faire le mal, les femelles violentes, comme c'est écrit. Ma famille n'était pas bonne, alors je l'ai arrêté, peut-être. Ah, je peux ce type voulait que quelqu'un l'arrête. Il avait dû se rendre compte que j'étais à sa recherche. Il avait un public privé. Est-ce qu'il a commencé à laisser les corps là où j'étais sûr de les trouver? Non, je lui accorde trop de mérite. C'était un malade mental, point barre. Oh my god. On l'a enfin retrouvé, quoi. Tu es en série capturée. Ok. Bah voilà, petit à petit on y arrive, hein. Ok. Paradis, parano. Ok. Il me faut donc une autorisation de sécurité pour le QG de Bloom. Partout où je regarde, Bloom est impliqué. Ces types préparent quelque chose et je sens que ça va plus loin que le CTOS. J'espère que Thibault sait ce qu'il fait. Ok, je suis en position. C'est quoi l'histoire avec les hélicoptères? Attends un peu. Oh, what the fuck? Ok. Je suis cet hélico là? Jusque dans l'eau? Ok, let's do this. Bon, après, faut pas que je me plante, parce qu'à moto, ça risque de faire mal. Merde. Ok. Bon, pour l'instant, ça va. Il y a un but à ce que je fais, au moins. Bah ouais, je veux savoir où il va. Et en quoi c'est important, ça? Parce que ça fait partie d'une routine. Le protocole de sécurité de Bloom change tous les jours. Et tous les jours, cet hélico survole Bonnie avec les nouvelles instructions. Donc, en fait, il va nous mener directement au chef de la sécurité. Voilà, tu vois quand tu veux. C'est bien. Oup, 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 oup. Ok, ça va, on s'en sort pas trop mal, les amis. Je sais pas jusqu'où il va aller, cet hélico, mais... Les voitures tous les deux, c'est trop bizarre. Et où? Et où? Ok. Attends, oui, ta moto est vraiment pas top, mon dieu! Et jusqu'où comme ça, jusqu'à Chicago? Quand tu sembles là? Il survole un terrain de caravane. Hein? Pas de sens. Attends, mais c'est bien sûr, il y a plein de membres de la milice de Pony qui s'occupent de la sécurité chez Bloom. Et il y en a pas mal d'entre eux qui vivent là, dans ce paradis pour parano. Donc, okay. L'un d'eux est le chef de la sécurité. Et il a accès à tout. J'en frémis d'impatience. Tu te rappelles des types qui protégeaient le camion? Eh ben c'est les mêmes. La milice de Pony, c'est des survivalistes. Des mecs anti-gouvernement. Des gens comme moi, quoi. Enfin bon, pour résumer, ils déconnent pas. Ils tirent d'abord, et après ils posent les questions. Ok. Alors, comme ça, l'un de vous est le nouveau chef de la sécurité. Il doit être bien planqué, n'empêche, je pense. Il est où ? Celui-là a du potentiel. Énorme. Qui d'autre? Encore d'autres? Allez, où est-ce que tu te caches? Allez. Ça y est. Les deux. Je te tiens. Éliminer les deux chefs de la sécurité. Est-ce? Ça peut pas être juste un club de tir. Ils contrôlent plus de la moitié du terrain. Ça te semble normal pour Pony? Y'a rien de normal à Pony. Quand Bloom a commencé à arroser la ville avec son fric, les choses sont parties en vrille. Hum sans déconner quoi. Oh oh
cool. Objet suspect repéré. Je vais aller l'examiner. What? Ah, c'est l'hélicoptère qui peut me repérer, putain. Il faut se planquer de l'hélico, c'est chaud ça. Ok. Le voilà. Salut. Il va s'enfuir. Ouh, je suis barré. Oh mon dieu. On s'arrache. Allez, la push! Oh my god! On est sur place! Vas-y, et prends-le! Salut! Oh mon dieu! C'est les Bobby! Oh, attends, dans ce secteur, ça va être chaud de les semer là. Hein. Ok, pardon. Un peu par là! Oh god! Ok, you want a piece of me. Ok. Ok, je pense pas qu'avec ça ils allaient me rendre sûr. Je leur souhaite bien de la chance. Ouf, putain. Allez, on s'arrache. Ouf, putain, j'ai pris cher, là. Mon dieu. Sont... Qu'est-ce que c'est, connard? Allez, la plouche. Où est l'hélico, là? Putain, c'est chier, les hélicos, ils sont toujours au-dessus de moi, je peux pas les activer. Mon dieu, regarde la route. Oh, god. Ok. Putain, il y a de partout. Oh, il tombait d'où lui? Ah, il faut que je pirate un truc là-bas. Ok. On va faire demi-tour maintenant qu'on les a un peu éloignés de la zone. Salut les mecs! Oh, pardon. Il a sauté, rattrapez-le! Je sais pas où il est. On s'arrache. Bon, il me souste, l'hélico, il est où là? L'appareil est conclu. Il va falloir qu'on rentre. Ouh! C'est énorme! Je crois qu'il s'est crashé là, non? Ou il est explosé en l'air, je sais pas trop. Oh putain! En tout cas, ça a été plutôt efficace. Oh là là! Comment? Oh non, il y a un civil. Bouge pas! Ok, elle va bien. Elle va bien, tout le monde va bien. Bonsoir. Passez à couvert. On a un homme touché par là. J'ai vu un... Je sais que t'es là. Oh. Ok, easy. Allez, on se casse. Ouh. Oh mon dieu. On a accès au QG de Blue. J'ai failli y rester. Oh, désolé d'avoir douté de toi. Parce que tu doutais de moi? Bah, je suis réaliste. Écoute, je suis en train de créer un virus qui va m'effacer leur système. Ok. Oh, je suis trop fort. Donc, si je comprends bien, il me reste plus qu'à aller l'installer chez Blue. Y a quoi comme sécurité? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais... Je crois qu'on peut dire... élevé. Ok. On va réduire leurs effectifs, alors. Tu pourrais tracer leur camion de livraison. J'ai intérêt. Envoie les itinéraires, on va aller les secouer. Ok, allons les secouer. Bon, par contre, faut que je change de véhicule, là, parce que c'est plus possible. Hein. Ce véhicule... est hors d'état. Voilà, merci. Tu sais ce que c'est, un trip numérique? Ouais. Ce qu'on a là, c'est des trips numériques. Bah, vous êtes sûrs, les amis? Pour le dernier trip numérique. Être une araignée, what the fuck?
Oh my god. Oula. Conserver toujours suffisamment d'énergie pour pouvoir sauter et vous échapper. C'est quoi ce attention, truc? Attention, à toutes les unités, priorité 1. Un véhicule militaire blindé a été repéré dans une zone à forte population. Wow. Faites le maximum pour limiter les pertes. Oh, comme c'est classe.